Salut les amis, aujourd'hui nous trouvons à Sisteron et je vous emmène visiter la grotte du Trou de l'Argent. Alors à proprement parler, c'est pas vraiment une grotte, c'est une petite grotte en façade suivie d'un petit enchaînement de tunnels et d'une autre grotte. C'est pas énorme, mais ça c'est une histoire et une beauté incomparable. Alors ce que j'ai pu comprendre, c'est un parcours qui est assez acrobatique et qui est plutôt destiné aux personnes expérimentées et équipées. Parce que ce qui est primordial, c'est d'avoir de l'éclairage, bien sûr, puisque il y a un passage sous grotte. Et sans éclairage, bien sûr, vous ne pourrez pas le traverser et continuer le parcours. Alors nous, aujourd'hui, on va se limiter simplement à la grotte. On est venu spécialement pour ça, hein, dans une quête d'exploration. Mais on reviendra plus tard pour faire le parcours complet. Alors il y a une grimpe assez raide. Ben, c'est bien parce que ça fait chauffer les mollets. Donc on avait un petit peu froid au début et là je vous avoue qu'on a plus froid là les amis. Bon alors les amis, nous là ça fait un petit moment qu'on marche, environ 3 quarts d'heure. On est mort. Et là regardez. Vous le voyez là, le gars il est en train de courir. Le gars il a fait tout ça en courant. Voilà, ça c'est fait. Hop, on va laisser passer. T'as l'air froissé, Tony. Ça t'a calmé? Je veux le faire. On va se partir. Bon les amis, on est presque arrivé. La grotte est ici là, je sais pas si vous voyez au bout de mon doigt, il y a un petit trou noir. Bon ben on arrive sur la partie la plus technique du parcours. Donc ça va se jouer là. Et normalement on est arrivé à la grotte. Et voilà. Une croix, donc c'est pas par là, c'est par là. Hop. Ok, donc là ce que vous venez de voir là, c'est pas l'entrée. Je pensais que c'était l'entrée mais non, l'entrée est bien plus loin. Alors il va falloir faire attention. En tout cas, une chose que je peux vous dire, c'est que la vue là, elle est splendide. Je crois que c'est une des plus belles vues que j'ai jamais vues en explo ou en rando. Apparemment, on n'est pas seul. Il y a du monde. C'est magnifique. Voilà l'entrée. Allez, c'est parti. Alors, randonneur attention, l'itinéraire d'accès à la grotte est au sommet de la bombe et réserve aux randonneurs expérimentés et bien équipés, sentier aérien, passage sur câble et barreaux métalliques, lampe de poche nécessaire pour la traversée de la grotte.
Ouais, ça va. On a ce qu'il faut. La belle cheminée là. Le passage il est par là-bas. On va descendre. Voilà, ça glisse. Ah, tellement eu de passage ici que 1933, 1909. Ça. Petit éclairage. Allez. Ah oui, d'accord, le fameux passage capote. Bon. Accroupi, ça le fait aussi. Hein. Bon, c'est magnifique. Tu sens cette odeur? Ouais, c'est génial. Ils ont fait un feu là, il y a... Ben oui, tiens, regarde. Là, il y a eu du squat là. Il y a eu du squat il n'y a pas longtemps, c'est très frais là. Ah, c'est bon. Ah, c'est magnifique. Donc ça, c'est les petites fenêtres dont il parle sur la description. On est par là donc. Ouvre ma tête. Ah ouais. Là ça va. Ça se corse. Jusqu'à présent j'ai évité le 4 pattes, hein. je suis accroupi. Ah ouais, c'est bon, c'est magnifique. Alors, pour l'histoire de cette grotte, enfin pour son nom du moins, la grotte du Trou d'Argent, si je dis pas de bêtises, c'est parce qu'il y a eu des fouilles, lors de fouilles, ils ont trouvé énormément de pièces de monnaie, anciennes, très anciennes. Et du coup, ils lui ont donné le nom de la grotte du Trou d'Argent. Ça monte là-haut. Alors là, ces ouvertures là, c'est magnifique. En plus, stratégiquement, ça offre un point de vue pour surveiller, puisque cette grotte a aussi abrité les protestants durant la bataille de Sisteron, pendant la guerre de religion. Donc, ils sont venus se réfugier ici. Et effectivement, d'un point de vue stratégique, on ne peut pas mieux que ça, quoi. Ça offre une vue vraiment sur toutes les vallées, quoi. Un panoramique de fou. Alors nous, on continue de progresser. J'ai besoin d'un peu de renfort de lumière, là, s'il te plaît. Ah, oui. Ah merci, plus puissante la sienne. C'est génial. Moi, cette salle,
c'est magnifique. Oh, j'adore. Là, il devait être bien, hein, parce que en été, il fait frais. Et en hiver, c'est isolé du froid. Alors nous, je présume qu'on continue par là-haut. Ouais, ah oui, d'accord. Bon, là, on a évité le 4H qu'à présent, mais là, je pense qu'on va pas y échapper. Ah non, quoique, c'est pas dit. On va voir. Non, ben pour la sortie, je vais être obligé. Alors, je vous avoue, les amis, là, c'est parce que juste, bon, j'ai mon petit cargo noir. Et bon, j'avais pas envie de le salir. Et bon, ben tant pis, au final, ça fait partie d'Explo et du charme de l'exploration. Hein, à chaque fois, on sous minable. Donc, bon, là, c'est sûr que je passe pas. ben, on va y aller par là. Alors, bon, le sac, là, le sac, il n'a pas passé, ça, c'est sûr. Tu m'envoies le sac après ? Ouais. Merci. Allez, go. Allez, à l'ancienne. Showtime. Bon, ça va. Ça va, on a fait pire. Hein. Merci. Alors, même sur la sortie, on a une belle petite salle. Oui, là, tu as la chaleur de l'extérieur là, qui rentre. Pour ceux qui connaissent, nous avons ici une gravure de Xavier Deschaux. Xavier Deschaux qui a gravé la date de sa mort dans les calanques à Marseille. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. J'ai du mal à le lire pendant que je filme. Bien les amis, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on va se taper le chemin en marche arrière et donc je vous dis à très très bientôt pour la prochaine. Tchou tchou.